Aujourd'hui de nouveau à Hammamet, mais pas au même endroit que dans la première vidéo, donc je vous montre tout ça. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti! Donc comme je le disais, on est toujours à Hammamet, mais pas au même endroit. Mon hôtel se trouve à Yasmine Hammamet, qui est un peu au sud. Là ici j'ai pris un taxi ce matin, 10 minutes de route, vite fait, 10 dinars, donc à peu près 3 euros on va dire, à peu près, je vous mettrai le prix exact. Ici je suis donc, je fais un petit tour sur moi-même, il y a là le cimetière musulman de Hammamet. Je vous montre quelques images là pendant que je parle. Donc j'ai rien préparé, je suis venu ici un peu à l'arrache ce matin. Enfin je savais que j'allais venir ici, mais je n'ai rien préparé, je me dis que je viens me promener tranquillou. Alors je vais vous montrer un peu ce que je vois. Ma foi, ce sera au feeling. Allez, c'est parti pour la balade. Donc un petit théâtre apparemment ici, théâtre de plein air comme on a vu à Sousse. Bon, pas le même style évidemment, mais ça peut être sympa l'été. Petite pièce de théâtre ou un petit truc bien sympa, un petit concert. Mais voilà, bon, il fait un peu chaud pour l'instant et on est au matin, donc pas de risque de voir quelque chose. Vraiment sympa toutes ces petites ruelles, là on est moyen de se perdre, donc c'est ce que je suis en train de faire, hein. On se laisse aller, on se laisse guider par les ruelles et on verra bien où ça va nous emmener. Mais en tout cas, le décor est sympa.
donc pour clôturer cette journée ici à Hammamet Vieilleville, là je viens de marcher pas mal pour venir jusqu'ici au centre culturel de Hammamet. Donc il y a le musée de l'orangerie, il y a une villa là un peu plus loin. Bon, le monsieur à l'entrée, quand j'ai payé donc 5 dinars 50 l'entrée, m'a dit de d'abord prendre par ici, visiter le coin là, retourner en arrière et aller de l'autre côté voir la villa là-bas. Bon, ce qui est ici à droite, on peut pas, c'est administratif. Et ici, il y a accès au bassin. On va aller voir là-bas, ça a l'air assez sympa. On va d'abord aller tout droit plutôt, là, puis on reviendra là après. Et je vous montre tout ça. Calme et ombragé parce qu'il fait vraiment très chaud et là franchement ça fait du bien. C'est bon, il suffit que je dise ça pour que je sois en plein soleil, mais l'ombre revient tout de suite. Donc voilà, la Méditerranée est juste en face de moi, derrière la petite colline. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, soit, on va aller voir. Théâtre, l'écomusée de l'orangerie, petit. Maintenant, on va voir la Villa Sébastien qui se trouve par là-bas. Suivez-moi. Il y a déjà un piège à gauche ou à droite? Allez, je prends la droite. Tiens. C'est pas exceptionnel. Bon, c'est un parc, il y a de l'ombre, ça c'est cool, mais enfin, franchement, point de vue visite, pas de gros intérêt majeur à venir voir ça. Mais bon, j'y suis, voilà, pour acheter la visite. On va clôturer la vidéo ici, je pense, reprendre le taxi direction l'hôtel et la piscine, se rafraîchir un peu. La fameuse Villa Sébastien, je vous montre tout ça. Ah si, la porte est ouverte, je pensais que vous ne pourriez même pas rentrer, mais on peut.
visite terminée de la Villa Sébastien, donc c'est un artiste roumain d'après ce que j'ai compris. Le monsieur qui faisait la visite là, donc il parlait un peu vite, donc j'ai pas tout compris. Mais bon, visiblement c'est un artiste roumain, la propriété de la propriétaire de la villa. Il y a pas mal de personnalités politiques qui sont venues là, comme Churchill apparemment, entre autres, donc des présidents des États africains du coin également. Donc il y a pas mal de beaux monde qui a visité cette villa, en plus de moi, comme le guide m'a dit. Donc voilà, après ça se termine un petit bar, enfin un petit café, donc vous pouvez boire de l'eau ou du thé, etc., un petit soda. Là je viens de me, si je puis dire, m'affonner un litre et demi d'eau, bien fraîche, l'eau minérale. Franchement elle passe bien par cette température, d'habitude je suis pas un fan de l'eau, mais là c'était nickel. Donc j'espère que cette vidéo, un peu décousue, enfin c'était un peu à l'arrache, donc, mais bon, on a vu quelques trucs, donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Laisse un petit pouce bleu pour me le faire comprendre, les mouches me le font comprendre déjà en tout cas. Abonnez-vous et activez la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Je pense que demain je vais faire un tour à Tunis en train en fonction des transports. On verra, c'est dimanche donc je m'attends au pire, donc on verra bien. Donc si tout va bien, vidéo sur Tunis. Si tout va pas bien, bah ce sera une prochaine vidéo en Belgique hein, ou en Europe du moins, donc tranquille. Voilà, donc prochaine vidéo théoriquement la semaine prochaine sur Tunis, autrement on verra. Allez, d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao. Allez, je l'ai dit au moins 15 fois.